Et salut à tous, ici Arcanum et on se retrouve pour la première partie de la session d'invoque de l'épisode d'invocation de l'épisode 142, il me semble, de Fire Emblem Heroes. Donc du coup, pour débuter, nous avons pas beaucoup de gros focus, mais quand même des focus sur lesquels invoquer. Non, le focus retour hebdomadaire 41, où on peut avoir Veloria et Kaiden et Nayla, sachant que Nayla est dans l'autre focus. Nouveau pouvoir, donc il y a Nayla, comme je viens de dire, Summer Tiki, Loki et Libra. J'ai les 4, donc ça sera pas très intéressant. Et on va peut-être faire une session, voire deux, arriver peut-être à... essayer d'avoir un 5 étoiles sur ce dernier, parce que pour le moment c'est très triste ce qui se passe. Bon, on va commencer par le focus le moins intéressant, donc c'est nouveau pouvoir, on a déjà les 3 persos. On va surtout focus ce perso spécial en personne de Summer Tiki. Mon fier. Rien de bien intéressant. Bon, ici je n'ai pas Kaiden, j'ai pas Veloria. Veloria la plus intéressante des deux, mais sauf qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de gris, donc on va invoquer vert en espérant avoir Kaiden. Que je n'ai jamais eu. J'ai que Shelky. Bon bah j'ai. Ok, pour la 20 millionième fois. Donc pas de Veloria, hein, dommage. Alors ici c'est parti, on espère ne pas avoir de bleu. Tout sauf du bleu par pitié. Un bleu. Mais par contre du rouge et du gris. C'est très intéressant. Surtout si on a un perso. 4 étoiles ici maintenant. Oh, et ça commence tout de suite sur les chapeaux de roue parce qu'on tombe sur Flavia. Je suis Flavia, Khan de l'Est de Reina Ferox. Trêve de politesse, et si on s'amusait un peu. Ah bah ça commence sur les chapeaux de roue. Plus d'attaque pour moins de res. C'est, je pense, le meilleur idée possible. Bon, vu le taux, je me dis qu'il y a moyen d'avoir quelque chose d'autre. Imagine, on tombe sur Priam ou une deuxième hache. Se méfier des incessions d'invoque. Brady. Ah bah c'est cool. C'est comme la dernière fois avec Muspel. Hein. Le focus de Muspel où tu étais. J'avais rien eu pendant avec les tickets. Et que à la fin j'ai eu Yuri. Oh, oh, oh. Aïe, calamba! Et là, on a eu les deux rouges. Je suis Priam, je suis un descendant de l'héros de l'homme. Ma force est le fruit de mon entraînement au travail. On a eu Priam et Flavia sur la même session d'invoque. Ah, dis donc. Plus de reste pour moins de PV, c'est de la merde. Oh, oh, ah, dis donc. Du coup, c'est un peu chiant, je sais pas. Si j'ai H là, vu le taux, c'est possible. Hein. Non, Tétis. Bon, vu le taux très élevé. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait quelque chose en petit break. J'ai bien fait. Pas de regret. Béni, c'est bien. Surtout s'il a des bons idées. Ça pue. Eh ben, c'est parfait tout ça. On a eu Priam et Flavia sur la même session d'invoque. Que dire de plus. Hein. Alors, malheureusement. Le Brady moins d'attaque, c'est exactement le même. Je crois que c'est les mêmes IV que le Brady que j'ai eu. Le tout premier Brady que j'ai eu. Ah non, lui c'est plus de vitesse. Ah mais non, il a pas plus d'attaque, qu'est-ce que je raconte? Il a pas moins d'attaque, mon Benny. Attendez, Benny, est-ce que c'est bien avec plus de rêve? Parce que imaginons que je les mets tous les deux 5 étoiles. Parce que Benny est un bon perso, hein, sachez-le. Benny 4 étoiles est pas mauvais, c'est pas un mauvais perso.
Il a une note de 8 sur 10. Ah bon, il met des notes maintenant? C'est pas de bon signe, hein, moi. Il est considéré comme un tier 2, donc c'est quand même un personnage très bon. Qui se joue avec de la raison. Non, il se joue avec de l'attaque et de la défense. Donc, pas de vitesse, pas de braise. Donc, j'ai aucun de bons idées. Ah si, il se joue avec de la raison, là. En face ennemi, peut être joué avec de la raison. Avec moins de vitesse. Ouais. Mais en général, ouais, on préfère moins de vitesse. On préfère moins de vitesse pour plus d'attaque, plus de défense. Donc ouais, bon, ce béni aux F. Hein. Et les autres, je les ai en 5 étoiles, sauf Tétis à la rigueur. Moins d'attaque, de la merde. Ah bah c'est cool. On a eu deux persos sur le même focus. Bah sur la même pool. Donc c'est... J'ai déjà Ash, il me manque Basilio, qui est disponible en 4 étoiles. Qui sera disponible dans le focus prochain en 4 étoiles. Donc on va dire, je n'ai plus à invoquer. C'est con, hein, il reste que 6 invoques à faire, mais ça sert à rien d'invoquer, étant donné... Quoique, je pourrais aller atteindre le 40 pour retirer l'IV négatif de Priam. Parce que vraiment, je vais faire ça, non. Je vais pas utiliser 25 orbes juste pour avoir un Priam être démons IV. Hein. Bah, retirer son IV négatif. Hein. Donc, c'est cool. On a eu Priam et Flavia. Du coup, en 34 invoques, on a eu les deux. Plus H qui est déjà niveau 40. Ah, oh, mais c'est cool. Elle a combien d'attaques, Flavia? Elle est plus dans le top des persos. Bon, il faut que je fasse une recherche avec son nom. Donc, ouais, il manque Basilio, mais Basilio, je pense qu'il a moyen de tomber. Hein. Je pense que je l'aurai tout le temps en 4 étoiles. Flavia, elle a 44 d'attaque au maximum, donc ça fait un 60 d'attaque. Pas mal, hein. Surtout que Querelle rouge, ah ça s'appelle Querelle rouge, moi j'appelle ça rivalité. Contre une unité rouge, désactive les attitudes de tous les ennemis à l'exception de l'ennemi au combat. Ah non, d'accord, non, ça annule les effets des unités proches. Ah ok, donc tout ce qui est brèche, tout ça, pendant le combat, désactive les attitudes de tous les ennemis. Ok, c'est moins fort que... Ok, c'est moins fort de ce que je pensais. Je crois que ça a annulé les compétences de tous les persos rouges. Mais non, c'est autour. Ok. C'est vrai que je l'avais pas lu la première fois, mais c'est moins pété que je l'aurais cru. Mais c'est quand même fort, hein. Ça annule les bonus à distance. Et tous les unités proches. Bon, bah voilà, c'était une première partie plutôt sympa. On a eu Flavia et Priam. C'était les deux persos que je voulais. Bah en fait j'en voulais un sur les deux et l'autre je l'aurais eu avec l'invoque offerte. Bah du coup ça sert plus à rien d'invoquer sur ce focus, même s'il reste que 6 invoques, bah c'est con mais ça sert à rien. J'aurais quoi, j'ai déjà, il me manque Basilio, mais Basilio en soi il va être disponible en 4 étoiles dans les prochains focus, donc vaut mieux économiser. Là j'ai 32 orbes, il y a Noël qui arrive, vaut mieux économiser. Donc voilà, ça va conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie, parce que c'est la fin de cette partie, pas la fin de la vidéo, hein, comme je viens de me tromper. On se retrouve pour la deuxième partie qui commence maintenant. Et oui, deuxième partie, on commence du coup avec les livrets éphémères, parce que j'ai assez de livrets éphémères pour prendre Winter Erika, donc je la prends. Et du coup, on va faire la fusion tout de suite, hein, comme ça au moins ça sera fait. Pour donner que oui, je l'ai ce perso et je ne l'ai jamais eu deux fois, donc ce sera l'occasion d'avoir plus 1. Donc c'est dans entraînement, fusion de héros, faut descendre hyper bas pour trouver les healers. Là. Et là. Hop. Bon, c'est pas un perso ouf, Erika Winter, mais bon, moi je l'ai plus 1. Donc voilà, maintenant on peut passer à la session d'invoque basique avec le focus rêve hivernal, mais pas que. On a le focus effort où on peut avoir Lysica Brave, Sarah et Guenièvre. Je sais plus comment ça. C'est quoi, ouais, c'est Guenièvre Lige, mais je sais plus comment ça se prononce. Guenhiver, bon, je suppose que c'est basé sur ça. Et là, sur le focus la tourmente, on peut avoir Luf, Landvarn et Lysica normal, et je crois que c'est tout. Oui.
On va commencer par le Focus La Tourmente. On peut avoir l'UF que je n'ai jamais eu. Mais j'ai déjà Landvin et Lysithea. Lysithea, je l'ai plus 1. Et Landvin, je crois aussi le plus 1. CFF, bon, c'est la même coiffure, mais c'est pas le même perso. C'est vrai qu'il a une coiffure similaire. Hein. Pas la même couleur de cheveux, mais il y a un petit air. Bon, ici, j'ai déjà les trois. Ce serait bien d'avoir Gunivert en réalité. Pour nommer que je l'ai pas plus 1. Bon, 1-4, au moins on a du suspense. Abel, bon. C'est pas. C'est Ose F-tier le plus total. Bon, ouais, c'est parti hein, pour le focus rêve hivernal. On va faire peut-être 2-3 invoques. Pas 2 sessions d'invoques plutôt. Pour arriver à 10. Super les couleurs. Les couleurs. Bon, si on a Emmanuela 4 étoiles, ce sera très bien. Oh, Balthus. Bon, ça va encore l'avoir en 3 étoiles. Bah, ça va l'avoir tout court. En rouge, on peut toujours avoir Tanis que je n'ai pas. Hein. Ça serait très drôle d'avoir Manuela en premier invoque. Ah bah, c'est le cas. Ça serait très drôle de l'avoir. Et puis bah oui, première invoque, Manuela. Je suis Manuela, je suis professeur à Garemac 2 jours, mais cette nuit je vais profiter des fêtes avec vous. Ok. Bon bah, on a déjà Manuela. Le premier pool était horrible. Hein. Je sais pas si j'invoque les autres rouges. Ah bah, super, les verts c'est une misère, hein, Beruka. Bon, je continue. On sait jamais, on peut avoir Tanitz. Là, je cherche avant tout Tanitz. Là, si on a notre Manuela, là, donc très bien. Laszlo, ouais. Je crois que j'ai déjà pas mal de Laszlo, donc on s'en tape un peu. Peut-être que, ouais, bon goût, je n'invoque plus. Hein. J'ai eu le PSU que je voulais. C'est inutile de continuer à invoquer rouge. Et Corinne, bon. Mon Corinne est déjà plus 10, donc c'est inutile. Eh ben très bien. Ça commence bien. On a Manuela. Bon, maintenant, plus de rouge. On peut invoquer bleu. Hein. Je vais invoquer uniquement gris, je sais pas. C'est le Tchou. Moi, ouais, bon, tiens tout. Pas grand chose à dire. J'ai déjà en 5 étoiles, je l'ai jamais mis en plus 1. Bon, par contre, les 3 étoiles, c'est chiant. Là. Quatria, bon. Toujours aussi pourri. On fera peut-être une autre session pour passer à 10. Voire un petit peu plus si on a de la chance avec les couleurs. Par contre, là, le pool est immonde. Pouah, que des 3 étoiles de merde. Osef tiers, hein, totalement. Perso qui vont être envoyés en livrée militaire. Alors, le premier gris, c'est déjà un 4 étoiles ou plus. Kazé, bon. Il a été boosté il n'y a pas longtemps, donc c'est bon. Si jamais il a des idées intéressantes. Plus de vitesse, hein, pourquoi pas. Bon, le focus dure 30 jours, ce qui est plutôt bien. Je sais pas si j'invoque vert, j'ai déjà Henriette en réalité. Je pense qu'on peut chercher le duo. Oh, encore Louise. C'est la troisième fois que je l'ai. Elle est neutre? Non, plus de raise. Ben, ça te plus, j'ai déjà des bons IV. Ça va être long hein, si je dois faire un par un. Georges. Bon, j'en fais encore un ou deux.
Allez, un dernier. Enfin, deux derniers, là. Oui, parce qu'en réalité, les autres personnes m'intéressent pas. Putain, on a là, au moins on a des 4 ou plus. Sauf, ouais. Ouais, en réalité, le focus m'intéresse. Personnellement, m'intéresse pas tant que ça. On a eu un perso, c'est ce que je voulais. Même s'il en 4. Et on va s'arrêter là. Après celui-là. Bon, encore un Georges. Bon. Bon, on va s'arrêter là.